Bonsoir chers téléspectateurs, partout où vous êtes branchés, nous savons que vous êtes très nombreux au monde et partout où vous êtes en train de nous écouter en ce moment sur notre chaîne YouTube et Officiel TV. En tout cas, merci d'être là ce soir. Nous avons ici pour vous le directeur général et analyste de cette chaîne, bien sûr, Nova Official TV. Avec lui, on va parler de l'élection des gouverneurs dans la province du Bangui. Mais vous le savez très bien, la République démocratique du Congo, via son service attitré, bien sûr, la Commission électorale nationale indépendante, avait organisé les élections dans les pays le 20 décembre dernier. Vous le savez, la province du Sud Bangui a également fait partie. Et c'est pour cela, avec notre invité, on va parler de cette situation relative à l'élection des gouverneurs. Avant d'aborder le deuxième point qui sera essentiellement axé sur le programme des gouverneurs, sans plus tarder, directeur, bonsoir. Bonsoir Venemi, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Innova Officiel TV. Merci beaucoup pour m'avoir invité afin que nous puissions ensemble parler de la situation de notre pays en général et notre province en particulier. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Innova Official TV. Merci beaucoup. D'accord. Avec vous, on va parler d'abord de l'élection du gouverneur dans la province du Sud Bangui. Vous avez le temps de pouvoir expliquer comment se sont déroulées les élections. Merci beaucoup. C'est un sujet pour moi très important pour l'aborder à ces moments de pointe. Et les élections se sont passées sur toute l'étendue de la République, je crois le 29 avril. Notre province aussi, Sidou Bangui, à travers les différents candidats qui ont défilé devant la première institution de la province, ont présenté en même temps leur idée du programme d'action. Je crois que les résultats ont été rendus provisoirement les mêmes jours et par la Commission électorale nationale indépendante, bien sûr. Mais il fallait que la Cour constitutionnelle puisse valider en donnant les résultats. Voilà, la Cour d'appel, commençant par là, oui. Et que les conseils d'État, voilà, je devrais arranger. Donc, si la Cour devrait prononcer son arrêt définitif en termes de rendu, oui. Hein, par rapport au résultat définitif, et que un candidat est lésé, il peut, bien sûr, soumettre au niveau de la justice sa requête pour dire, voilà, on peut aller à l'annulation, on peut aller à l'arrangement. Donc, il y a beaucoup de des choses qui devraient se passer. Et c'est ce qui est arrivé à la province du Sud Bangui. Oui, oui, le gouverneur. Oui, le gouverneur Michel Mobonga Lobo, avec bien sûr le vice-gouverneur Jean-René Galécois, ont été proclamés élus gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sud Bangui. Mais des droits, les candidats Isaac Senghéa avait pensé que, après les éléments qu'il détenait, qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas confirmer les résultats du gouverneur Mobonga. Et il était allé en contentieux au niveau de la cour d'appel du Sud Bangui, oui. Et les rendit l'arrêt, bien sûr, de la cour d'appel avait donné raison à la CENI et au gouverneur de la province pour dire que cette requête était vraiment non fondée. Et puis Isaac
C'est toujours dans ses droits. Il a pensé que non, il fallait aller au niveau des deuxième degré. Et c'était d'ailleurs le dernier, le Conseil d'État. Et le Conseil d'État aussi a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel d'Issoudou Bangui. Cela pouvait donner lieu au président de la République d'investir à travers l'ordonnance présidentielle le gouverneur et son vice-gouverneur. Et vous avez vu vous-même, au même moment que les ordonnances devraient être rendues publiques, Isaac aussi, à son tour, cette fois-là, il a pensé que la Cour constitutionnelle devrait intervenir pour interpréter certaines dispositions pour lui qui devraient mettre en cause la CENI. Cette fois-là, il acquise la CENI, mais pas le gouverneur. Voilà. Alors, le président, dans sa sagesse comme garant de la nation, oui. De la nation, ce qu'on appelle la personne la mieux informée de la République, a jugé bon d'investir le gouverneur et son vice-gouverneur à travers une ordonnance, mais aussi notifié par le VPN de l'intérieur. Et voilà, le gouverneur aussitôt récit ces documents parce qu'il devrait être confirmé, il devrait être certifié qu'il est réellement le gouverneur de la province. Il est venu dans sa province pour procéder à la remise et reprise. Oui, on y arrive. Voilà. Donc, voilà un peu la situation. Moi, je pense que c'est ça le jeu démocratique. Même si ce n'est pas dans nos cultures de faire des élections, parce que nous, on sait, quand nous revenons dans nos modes de vie, tout ça, oui. Ce sont des choses qui ne passent pas bien chez nous. Bon, on a adopté certaines choses, on s'y prend avec, et puis voilà. Est-ce que les démarches amorcées par Isaac Senghia ne valaient pas la peine? Sur le plan légal, c'est normal. C'est normal à un citoyen congolais qui pense que ses droits sont violés par une partie des citoyens. Il a les droits d'aller au niveau de l'instance compétente. Mais ce que je peux donner comme le point de vue, c'est que il fallait voir le niveau des résultats. Isaac Senghia, qui avait zéro voix. Comparativement au gouverneur, oui. Hichem Obonga, il n'y avait pas match à ce moment-là. Bon, moi je comprends, Isaac n'avait pas dit que lui cherche à gagner. Mais pour lui, il dit qu'on devait annuler, qu'on devrait reprendre les élections. Mais moi je me posais la question. Il pensait qu'il pourrait revenir dans la course et gagner, où ça allait constituer seulement des retards et des retards, et que Mobonga devrait encore renfler peut-être les autres voies. Donc, c'est un peu là notre souci, et vous voyez que ça a mis un peu la province dans ce que nous pouvons qualifier de l'espace vide, même si le gouverneur sortant était là, mais dans la réflexion normale, et c'était un temps perdu. D'aucuns estimaient que c'est tout simplement un blocage de la province de Bangui. Oui, on peut le dire, parce que c'est normal. Hein. Lorsqu'on n'a pas de bonnes informations, oui. Les rumeurs prennent place. Et c'est normal. Est-ce que c'est une source sûre pour cette confirmation? Moi, j'ai dit non. Et j'ai dit oui au même moment parce que politiquement, ça peut se faire. Il disait qu'il est en train de bloquer le décollage de la province d'Issoudou Bangui, patati patata. Il y a beaucoup de choses autour de ça. La politique, elle est très compliquée. Les avertis ont compris ce qui s'est fait. Alors, on revient maintenant sur ce point. Il y a eu remise et reprise, je pense bien, c'était le lundi 1er juillet 2024. Mais le gouverneur s'est dit réservé de signer le procès verbal. Comment est-ce que vous avez analysé? D'abord, la remise de prix a été effective. Monsieur le journaliste, j'étais très content de voir un homme qui se respecte, qui ne veut pas d'entrée de jeu commencer à se salir.
Vous savez que pendant comment les séances de remise et reprise, si on ne fait pas attention, on peut vous tendre des peaux de banane. La signature, c'est l'engagement, c'est la vie de la personne qui est étalée, qui est mise en cause. Mais pourquoi le gouverneur n'est-ce pas? Le gouverneur a bien dit. Il ne pouvait pas refuser la remise et reprise. Il dit, j'informe la sécurité, tout ça, et je signe sous réserve en attendant la vérification. Parce que là, c'est l'aspect logistique qui entre en jeu. Et la remise et reprise, il y a aussi ce qu'on appelle l'inventaire physique. Il devait avoir la précision. Vous me dites que vous m'avez laissé, par exemple, je donne un exemple, je ne dis pas que c'était ça. Cinq maisons réhabilitées, équipées. Je n'ai pas vu cette maison. Je dois me rassurer. Non, quand on dit signatis sous réserve, c'est-à-dire il y a la possibilité de revoir sa décision. C'est ça sous réserve. Pour que nous passions à une autre étape. Une autre procédure. Non. C'est-à-dire le rapport de vérification, n'est-ce pas, donnera lieu au gouverneur de savoir réellement les actifs et les passifs de la province. Et cela, c'est du bon droit pour lui de le faire. Et moi, je trouve que c'est trop sage et c'est comme un bon parent pour que dans les 4 jours, il va dire voilà ce que j'avais signé et ce que j'ai trouvé réellement. Mais et c'est normal. Finalement, on peut admettre qu'il y a eu remise et reprise. Bien sûr, la cérémonie a été dite, c'est passé dans les différentes chaînes, mais la scientifique reste jusque-là sous réserve. Et c'est normal. Merci beaucoup. Et maintenant, puisqu'il y a déjà eu, admettons, il y a eu déjà remise et reprise, vous, en tant qu'analyste, quels sont les défis majeurs qui attendent le nouveau gouverneur de la province du Sud-Ubangi? Merci beaucoup pour cette question importante. Je crois que le gouverneur a été élu, même si il avait fait juste le discours propagande, mais dans son discours, il a développer une logique de son programme d'action. Et dans ce programme, il y avait 6 axes. Oui, avant d'arriver là, il a d'abord commencé à présenter les atouts de la province. Il a touché à des aspects très importants. Évidemment. N'est-ce pas? Notamment l'agriculture. D'abord, il a circonscrit cela dans les sociales, la culture, n'est-ce pas, et la gouvernance, ça c'était les premiers éléments. Il a parlé de atouts économiques, il a parlé de disponibilité, n'est-ce pas, de capital humain, et quatrième, disponibilité des ressources naturelles et tout ça. Deuxième niveau, il a montrer les vulnérabilités de la province. Donc la province est vulnérable. La vulnérabilité ici, c'est ce que les faiblesses qui peuvent constituer les menaces, les blocages pour le décollage de la province. Comme quoi, par exemple? Et il a touché les secteurs importants dans son programme. Il parle des défis liés aux infrastructures, les défis liés à l'agriculture, pêche et élevage, les défis liés au social du peuple, les défis liés à l'administration publique, à l'intégration sociale. Là, il parle des personnes vivant avec handicap, les femmes, les enfants, les peuples autochtones. Il touche le problème des NTIC. Aujourd'hui, on a un sérieux problème là-bas. Il a touché des questions des climats des affaires. Alors, tous ces défis-là l'ont permis de voir maintenant, je suis devant ces 7 défis. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'ici, je n'entre pas dans les détails, vu que l'émission
Si on prend chaque défi, on commence à les déballer. C'est terrible. Si on touche seulement les questions liées aux infrastructures. Et là, ce n'est pas quelque chose comme ça. Il y a des infrastructures. On parle de routes, on parle de bâtiments, on parle de beaucoup de choses. Et quand on parle de routes, il y a encore des catégories de routes. Des dessertes agricoles, des routes de caractère provincial, tout ça. Routes nationales. Alors, tous ces problèmes-là que je ne saurais pas déballer, l'ont permis de voir maintenant qu'est-ce que je dois faire. Et c'est ça un programme. Je l'ai dit ici, il a commencé par prendre les atouts. C'est ce que nous appelons les capacités internes. Qu'est-ce que la province a? Vous voulez vous battre à une personne? Vous devez vous poser la question, est-ce que moi je suis fort? En quoi? En parole? En lui boxant? En lui jonglant? Donc vous devez connaître votre positionnement. Vis-à-vis de la personne. C'est ce qu'on appelle le segment où vous êtes mis sur ça. Est-ce que nous sommes ici, quel segment? Nous sommes positionnés où? En termes de nos capacités, nos forces, ce que nous avons à l'interne, dans la province. Vous savez... Et puis, il a aussi dit non, mais nous avons des capacités, mais quelles sont nos faiblesses? Et ce sont les faiblesses que je venais de dire. Pour répondre à votre question, les six axes ne viennent pas d'imaginaire, des choses vues ailleurs. C'est sur base de vraies vulnérabilités que nous avons. Et c'est ce que j'ai aimé. Ces six axes-là, ce sont vraiment des réalités palpables. Mais papa, il faut lire le programme du gouverneur. Très important. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire parler comme communicateur du gouverneur. Mais moi, je suis un homme averti. Je suis un analyste. Je ne fais pas des choses sans comprendre les soubassements. Moi, je suis un lecteur. Vous avez les textes? Je suis un lecteur et mes oreilles sont appelées à bien écouter et à bien analyser. Moi, quand je pars peut-être dans une rencontre, ce n'est pas pour regarder les habits des gens. J'étais à l'hémicycle quand il faisait son discours. Je suivais ce qu'il disait. Il y a des enregistrements et on a analysé, on a comparé le programme. Ces jours-là, vous notiez même des grandes lignes. Voilà. On a comparé le programme pour dire que ça... C'est un programme fantaisiste, ça c'est un programme importé, ça c'est un programme taillé sur mesure. Tout ça, on avait des analyses faites. Alors, les six axes, c'est pour lui permettre de réaliser, de minimiser les risques ou les vulnérabilités. Parce que là, okay. Vous avez même le nom de son programme. Maintenant. Le nom là, c'est un nom interpellateur. Allons-y maintenant. Action résiliente. Pour un développement intégré. Et il dit un programme rénové. Il faut être averti pour comprendre. Moi, je suis pour ce programme. Et si et seulement si, votre question va me permettre de répondre. Merci beaucoup, monsieur le directeur de Innova Official TV. Vous êtes notre invité. Je pense que vous êtes aussi expert en planification. Concrètement, parmi les six axes, quel est l'axe que le gouverneur de la province du Sud Bangui d'abord aborder, ou bien l'axe priorité? C'est dans son programme d'ailleurs, le premier axe, c'est les infrastructures de base. Moi, quand je vois les gens qui viennent avec des projets dans cette province, surtout dans... De retour à Guémena, dans son discours devant le gouvernorat de la province de Sud-Bangui, il avait mis l'accent particulier sur l'agriculture. Oui, l'agriculture ne marche pas seule. Sans les infrastructures, et ici je parle de routes, de cette agriculture. Oui, on peut aujourd'hui, dans 3 mois, on peut produire en Bangouyan, à Koutou, là où vous voulez. Comment Bangouya. Ça va sortir? Vous avez 1000 tonnes ou vous avez 100 tonnes. Comment vous allez les faire évacuer? Donc, le développement, c'est une logique. C'est pourquoi il faut créer un schéma de développement. Sinon, on a gagné des millions ici, dans cette province. Vous avez des preuves? On a gagné des millions ici. Moi, je suis l'enfant du Sud-Bang. Moi, j'ai accueilli le projet par ça. Moi, je suis le jeune qui a accueilli au pied de l'avion. Le projet par ça. Le projet par ça, moi. Et où on sort? J'ai cherché des maisons à louer pour les premières personnes
de par ça. Je connais bien. Ce sont des millions. Où en sommes-nous? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Voilà. Parce qu'il faut... Il y avait des composantes, mais on devait commencer par quelles composantes? Les infrastructures aujourd'hui... C'est-à-dire que les besoins n'étaient pas identifiés en amont? Je ne dis pas ça. Moi, je suis pour les résultats. On connaît un bon maçon au pied du mur. Pas sur les papiers. Donc, commençons par les routes de cette agricole. La maman qui fait un champ là-bas, elle a ses 10 sacs, elle a ses 5 sacs. Elle peut vendre facilement. Les véhicules peuvent aller jusque là pour acheter. C'est ça la moindre chose. Et l'agriculture, comme une activité d'ailleurs annuelle, va suivre automatiquement. Donc l'infrastructure, c'est les routes restent pour moi... La priorité, c'est la route. La route. Les décès agricoles d'abord, avec toute une stratégie qu'on doit mettre en place pour le maintien de ces routes-là, pour permettre aux agriculteurs d'évacuer leurs produits, et ça va permettre aussi aux acheteurs de suivre les producteurs s'ils veulent. Voilà. Deuxième, maintenant, l'agriculture va suivre. On va aller vers la création d'emplois. Donc, ça va se suivre. C'est une logique, mon cher. Et là, il y a quatre dimensions. Il y a l'infrastructure, la production, l'emploi, le social. Vous voyez que c'est automatique. Mais vous savez, le nouveau gouverneur sera évalué dans son 100 premiers jours. Bon, cette question des 100 jours, je sais que c'est ça devient une chanson. C'est une accoutumance. C'est pourquoi, quand on importe tout là, on ne sait même pas comment les juger. Comment? Je ne sais même pas comment les juger. Même pour une culture, ce n'est pas seulement les 3 mois là qu'on dit au Solonika et l'autre 3 mois aux 8 résultats. Oui. Mais ici, nous sommes dans la gestion de l'affaire publique. Le gouverneur qui arrive, jusque là, vous savez que la province du Sud-Ubangi n'a pas les budgets pour 2024. Cette province-là, comme nous sommes là, on n'a pas un budget. Il n'a pas un budget. Elle n'a pas, je m'excuse. Demandez. Elle n'a pas un budget. La raison, c'est quoi? La raison, c'est qu'on n'a pas présenté le budget de 2024 à l'Assemblée. Donc, vous accusez le gouvernement? Je n'accuse pas, j'ai dit. C'est ça mon problème. J'ai eu des problèmes avec des gens parce que quand j'ai dit des choses vérifiables, les gens me disent « Pourquoi tu dis ça, tout ça ?» Mais est-ce que ce que j'ai dit là, c'est mauvais? On n'a pas le budget. Est-ce que là où j'ai ingéré, c'est où? Qu'est-ce qui a bloqué qu'on ne puisse pas avoir le budget? Mais il fallait poser cette question à ceux-là qui devraient amener les projets du budget au niveau de l'Assemblée. Moi, je ne suis pas dans le gouvernement passé. Je suis qu'un citoyen. Voilà. Donc, dis au gouverneur qui vient là, voilà, dans 100 jours, on va vous évaluer. Oui, c'est comme l'accoutumance, vous venez de dire. Mais moi, je pense que nous devons changer les paradigmes. Comment? Nous devons remonter notre réflexion vers la recherche des solutions résilientes. Quand je dis résilience, c'est-à-dire, on a beaucoup de problèmes et ne cherchons pas à résoudre ces problèmes dans le désordre. Dans la précipitation. Les désordres se situent à quel niveau? Mais parce que quand vous attendez les 100 jours, qu'est-ce que vous voulez dans les 100 jours? Donc les 100 jours, c'est pour moi, les 100 jours pour le gouverneur, c'est la mise en place des institutions fortes, la mise en place des stratégies fortes. Et pour moi, si le résultat des 100 jours serait que la province dispose d'un annuaire de la province, c'est un grand résultat pour moi. C'est un document. Mais les gens peuvent dire, mais est-ce qu'on va manger les documents? Oui, monsieur, c'est à partir de cet annuaire-là qu'on aura vraiment ce qu'on appelle les données, les baselines de la province. Mais c'est Luc Dession, qui permettra au gouverneur de bien travailler. Luc Dession, vous pensez que tout le monde qui vous écoute en ce moment, les téléspectateurs, ont besoin de toutes ces théories-là? Qu'est-ce que vous appelez théorie? Mais c'est tout ce que vous avez en fait. Non, mais dites-moi dans quel pays développé où ces dirigeants n'ont pas les données de base de leur entité. Mais ce sont des théories. Qui vous dit aujourd'hui que vous, si on vous pose la question aujourd'hui, n'est-ce pas?
On pose la question aujourd'hui. Le nombre exact de superficies de forêts ou de terres arables dans la province du Sud-Oubang. Qui peut vous donner cette réponse? Mais vous dites, nous sommes une province à vocation agricole. Qui vous dit que nous avons encore des forêts denses comme auparavant? C'est des illusions, monsieur. Allez sur le terrain. Moi, je suis parmi les gens qui ont sillonné cette province. Nous sommes en train de perdre des forêts. Oui, monsieur. Alors, ça, c'est juste un exemple. Mais si on n'a pas de base de données dans chaque domaine de vie, même quand nous prenons des gercibles, est-ce que des gercibles, si par exemple, je donne un exemple. Allez-y. Il a, par exemple, elle a, parce que c'est la DGRCIP, elle a, par exemple, 14 actes, n'est-ce pas, activés, qui fonctionnent. Chaque acte a des assujettis spécifiques. Est-ce que la DGRCIP du Sud-Oubang, bon, la DGRCIP, parce que Sud-Oubang déjà est là, peut nous donner les liens, n'est-ce pas, qui va nous permettre de voir les assujettis pour chaque acte afin de lui dire les assignations, voilà, vu les assujettis pour, par exemple, IREL, tout ce que vous voulez, vous devez produire pour la province chaque mois ou chaque trimestre autant. Il y en a? Prenons seulement un acte, IREL. Il se pose un problème. Ah! Mais ça, ce n'est plus la théorie, monsieur. Il y a pas de contrôle. Voilà! C'est pourquoi il faut commencer par là. Mais ce sont des théories. Maintenant, il faut aller au concret. Quelle est la théorie que vous parlez? Quand on dispose d'un annuaire, c'est la théorie. Le concret, c'est la théorie là que vous, la pratique que vous appelez théorie. Parce que quand on va lancer les études, n'est-ce pas, dans la province et qu'on a les données de tous les domaines, ça va faciliter les choses. On aura, parce que le gouverneur va donner à chaque ministre la lettre de mission. Voilà, vous êtes ministre de l'environnement, énergie, hydrologie, je ne sais pas, parce qu'ici, un ministre peut prendre beaucoup de domaines. Pour chaque domaine, voilà ce que j'attends de toi, sur base des données que j'ai. Mais en fait, prenons seulement la ville de Guinée, il y a combien de têtes d'érosion? Il y en a assez. Ah, assez, c'est pas un chiffre, monsieur. C'est ça le problème. Allons-y. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes là avec vous sur notre chaîne YouTube Innova Official TV. On a reçu pour vous l'expert en planification. Il s'agit bel et bien du directeur général de cette chaîne YouTube, Luc Dessian Kafama. Nous sommes en train d'analyser avec lui dans les comptes de notre émission. Point de vie, sans plus tarder, on peut entamer tout simplement la deuxième partie de cette émission, si vous le voulez bien. Je suis là. Alors, vous allez nous parler de façon laconique des programmes de gouverneur, d'une façon brève et claire. De façon brève et claire, j'ai dit que c'est un programme synchronisé, parce que ça part de la présentation des provinces en termes des atouts, des vulnérabilités. Deuxième partie qui parle des axes prioritaires pour l'envol du Sud-Oubangui. Le troisième axe, c'est ce que j'ai aimé. Lesquelles? Les mesures impératives et innovantes. Donc, le gouverneur... Vous ne voyez pas que c'est vraiment un programme audacieux? Ce n'est pas audacieux. Parce que c'est ce que les autres ont appelé axe ou les piliers. C'est les éléments que le gouverneur lui-même, c'est maintenant son travail. Un, il doit vraiment imposer un niveau de leadership et management rénové. C'est-à-dire? Pour promouvoir la redevabilité. C'est-à-dire quand on gouverne, on a trois éléments importants. Vous devez avoir les pouvoirs. Les pouvoirs, c'est le premier élément. Les pouvoirs, c'est ce que les députés ont fait de lui. Mais il a déjà les pouvoirs. Je suis en train de dire. Deuxième chose, vous devez avoir la force. Il a l'armée, il a la police. Et il a le service de renseignement et tous les autres. Tous les services, c'est ça sa force. Les moyens aussi constituent... C'est ça la force. Le gouverneur ne peut pas se plaindre.
Troisième élément, c'est l'autorité, c'est lui-même, son impulsion. Ça va lui caractériser. Il ne peut pas craindre parce qu'il a le pouvoir, il a la force et il a l'autorité. Ça, c'est le premier élément que j'ai aimé. Et là, la gouvernance règne. Et quand on parle de gouvernance, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il y a la démocratie là-bas, il y a la transparence là-bas, il y a beaucoup d'indicateurs. Deuxième mesure importante, oui, allez-y, c'est rénover la DGAC. Et il a commencé par mettre en place son comité de crise. Et vous ce que j'ai aimé, vous avez vu comment l'arrêté a été conçu. Il y a d'abord l'objectif de ces comités, il y a la mission dévolue à ces comités, il y a les mandats, il y a des tâches. Que ces comités devraient... Mais c'est ça. On fait de bonnes analyses lorsqu'on a de bonnes informations. Aujourd'hui, le monde migre vers la performance. Ce n'est pas ce que nous voyons ici, les gens doivent aller au travail, 8 heures au travail. Vous faites quoi là-bas? Le travail, c'est l'activité que fait l'homme ou c'est l'homme qui fait l'activité? Et puis, dans son discours devant la population, le gouverneur avait dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais c'est un homme de Dieu. Il a seulement rappelé la parole de Dieu. C'est terrible. Qu'est-ce qui viendra après cette déclaration? Ce sont les mesures impératives et innovantes. Troisième élément, le péage doit refléter son caractère initial. Il en a déjà suspendu. Initial. Oui, ça va revenir. Moi, je crois que ça va revenir dans sa logique initiale. Mais là, c'est dire quelque quatrième chose. Élément. Automatiquement. Quatrième dire, élément. Non, il a suspendu. Le français, c'est pas notre langue. Et quand on l'écoute, on doit le comprendre bien. La suspension n'est pas dire qu'on l'a retiré définitivement. Non. On peut vous suspendre comme journaliste de votre chaîne pour des séances de présentation de l'émission. C'est juste pour vous aider à vous recadrer ou réorganiser les choses. C'est normal. Je crois qu'avec la petite compréhension française, allez-y, la suspension allez-y. N'est pas l'interdiction définitive. Alors, allez-y. Cinquième élément, je crois, c'est la création, n'est-ce pas, d'un fonds provincial pour le développement. Très important. Ce sont des innovations. Sixième élément, le gouverneur, pour la cohésion de sa province, il envisage de mettre en place le congrès provincial pour la paix et le développement. Voilà pourquoi je disais, je pense que vous serez d'accord avec moi, que c'est un programme qui est tellement ambitieux. Est-ce que dans les 5 ans, le gouverneur pourrait... Vous croyez que pour créer un congrès, chaque année vous faites un congrès provincial. C'est une mauvaise chose. Vous trouvez dans ce congrès... Moi, je l'ai dit déjà ça. Pendant une émission dans l'une des radios locales, si cette province n'évolue pas, l'une des causes, c'est la division entre les partis, des patriarches. Et avec les si ces gens-là commencent à revenir à la raison, seulement se saluer. Vous savez que ça a bouleversé combien de têtes? Entre deux leaders seulement. C'est salué seulement. On ne sait même pas s'ils se sont parlé, mais c'est salué. Vous savez combien de personnes se sont repenties? Quels sont ces deux leaders-là? Vous connaissez bien. Donc, ces mesures-là renforcent les axes du gouvernement. Et j'ai aimé. Il a parlé de 4 moyens. Il dit les recettes du gouvernement. Il parle des crédits, n'est-ce pas? Des investisseurs, ça peut être crédit carbone et tout ça. Il parle
des mobilisations des fonds au niveau national, n'est-ce pas? Mais aussi les investisseurs privés, les organisations qui viennent ici, je ne cite pas leur nom, qui viennent, ils doivent s'aligner au programme du gouverneur. Vous pouvez venir ici, vous construisez 50 écoles sans que le gouvernement provincial mette ça dans son rapport. Vous avez construit ces écoles sur quelle, dans quelle province? Et qui en est l'autorité? Vous amenez par exemple 7 millions, 30 millions dans la province. Ce n'est pas aligné dans le budget. C'est trop demandé? Ce n'est pas trop demandé, monsieur. Les écoles, c'est pour la province. Ça doit être aligné au programme du gouverneur. Quand le gouverneur vous dit, je dois construire des écoles, ce n'est pas lui, Mubonga, qui construit. C'est toutes les personnes, toutes les organisations qui construisent dans sa province, constituent ses actifs. C'est pendant son mandat. C'est là, comme ça. C'est ce qui occasionne des fois le partage des gâteaux? Non, non. Pas partage des gâteaux. Il faut bien me comprendre. Vous venez comme une organisation construit les centres de santé, les écoles ici, dans la province d'ici Sidoubani. Aussi longtemps, le programme du gouverneur prévoit la construction des centres de santé et des écoles. On ne peut pas capitaliser ça. Vous avez construit ça où? Mais le programme du gouverneur faisait allusion à quoi? Mais il a bien dit que les sources de ces moyens viennent d'où? Il a déjà prédit dans son programme. Et à la fin, les paragraphes disent ceci, il y a deux. Il dit, j'ai parlé déjà de la première, de la première étape, qu'il dit, après avoir été investi, il va lancer, n'est-ce pas, une enquête qualitative et quantitative, c'est ce que j'ai parlé de l'annuaire, pour donner à la province un document référentiel pour sa situation actuelle. Où il sera évalué par rapport à ça. Et deuxième paragraphe, n'est-ce pas? Il dit chaque année, et c'est ce que j'aime, chaque année, il va conduire tous les ministres dans l'élaboration des PTBA. Plan technique budgétisé annuel. Pour permettre que les priorités soient hiérarchisées, ordonnées. La première année, on fait quoi pour la province? On ne peut pas embrasser tout au même moment. Il faut prioriser les choses. Qui fera quoi, où, quand, comment? Ce sont des petites questions. C'est aussi une question d'homme qui va... Je crois que c'est la question que vous devez me poser. Avec quel type d'homme? C'est ça mon souci. Le gouverneur peut avoir un très bon programme. Un contenu acceptable. Mais il lui reste un défi majeur qui porte ses plans ou ses programmes. Les personnes. Les personnes qui ont le cœur. Qui ont le cœur. Si les gens viennent là-bas parce que comme ils tournent à Bissot, on oublie tout. On oublie tout. Et on ne va pas aider le gouverneur à réussir son mandat. Vous savez, il y a aussi des obligations politiques et tout ça. Les obligations politiques, là, c'est... Moi, je ne sais pas, quand on est politique ou on est politicien, ça dit on perd tout. C'est ça l'interprétation de ce que vous dites politique ou politicien. Donc, comme moi, là, si je suis politicien, donc... J'oublie les bonnes valeurs, les bonnes manières. Que faudrait-il? Alors, et ces mêmes politiciens qui disent que nous devons avancer vers le développement, mais maintenant le moyen d'avancer vers le développement, c'est exercer bien sûr les responsabilités. Et comment on doit exercer les responsabilités pour son compte? C'est là où ça pose problème. Moi, je suis pour ces gens-là. Qui viendront pour travailler d'abord pour la province. Que le ministre sillonne les 17 secteurs. Vous pensez que le ministre maîtrise bien
n'est-ce pas, ne fût-ce que maîtriser la province. Vous pensez que les gouverneurs pourraient trouver ces gens dans la province de Sulbangui qui vont bien sûr. Les personnes sont là, à bien faire son sauf cas. Que peut-être ces personnes ne se trouvent pas dans les obédiences politiques, parce que vous savez qu'au Congo, la composition du gouvernement dépend des forces politiques, des coalitions, tout ça. Mais moi, je pense que si on peut se dépasser, chercher les oiseaux rares, pour ne fût-ce que la cause commune, c'est une meilleure option. Là, ça demandera une consultation de toute la. Il a déjà dit ça. S'il s'en tient, je crois que ça peut y aller. Et si les politiciens, je pense que ce sont les deux personnalités qui ont maintenant la force sur la province, c'est mon papa, Jean-Pierre Bemba, s'il va m'écouter aussi, s'il va me voir, et Guy Luando, oui, Guy Luando, même moment, parce que ce sont les deux grandes personnalités qui ont coalisé pour donner à la province le gouverneur, s'ils peuvent penser aux personnes qui ont le cœur pour la province. Apparemment, Jean-Pierre Bemba Gombo a toujours les soucis de sa province. On attend les résultats. Luc Dession, Kafama, vous pouvez vous résumer en extrême, c'est parce que l'heure vous accordait déjà un parti. On va devoir chuter avec cette émission sur notre chaîne YouTube Innovative. Nous sommes obligés de travailler très dur pour la province dans tous les domaines. On ne saura pas parler de tout ici à l'émission de 25 minutes, mais le gouverneur, c'est l'enfant du Sud-Ubangi avec son vice. Les ministres qui vont sortir, ils sont les enfants du Sud-Ubangi. Les autres, nous sommes dans les différents services. Faisons bien notre travail. Que chacun de nous se pose des questions. Pendant les 5 ans, je vais contribuer avec quoi? N'accompagnons pas le gouverneur seulement. Accompagnons-le, mais participons. On participe comment? Vous êtes journaliste et vous participez à faire bien votre travail de journalisme. Vous dites la vérité, vous dites ce que vous devez dire par rapport aux faits. Ne soyez pas patient, ne vexez pas les gens. N'allez pas seulement donner les informations parce qu'on vous a donné quelque chose. Donnez toutes les informations. Vous ferez déjà votre part de participation. Et c'est pour tout le monde dans les domaines où il est en train d'occuper. Pour les autres forces, je pense bien, Excellence Boussa, notre papa Makila, Sangouma, j'avais déjà cité Joe Kobale, les députés nationaux, on ne cite même pas les noms, les sénateurs, il y a les hommes de Dieu. Moi, j'ai réfléchi, j'ai dit ici que Sécu, CIM, catholique, les responsables sont les enfants de Sidoubani. C'est le plan international. Donc, ils peuvent également amener leur contribution. Premier catholique, le cardinal, c'est un enfant de Sidoubangi. Le président de Sekki, Sekki c'est international. Partout là où il y a Sekki, le président c'est le président. Oui, oui, mon papa. CIM, même, sans citer les autres. Donc, que chacun puisse faire son travail et que chacun puisse parler du bien de la province. Là où vous allez rencontrer les personnes qui peuvent contribuer pour le développement. Au lieu d'aller seul, allez en équipe. Vous serez fort. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Luc Dession, je ne sais pas si vous pouvez avoir peut-être un mot à placer. Sinon, nous sommes déjà arrivés au terme. Bonne chance au gouverneur et son vice-gouverneur, à l'équipe qui va entrer en fonction.
tout le monde, je vous aime. Je suis pour le développement. Rien que ça. D'ici Doubang. Et je veux que cette résilience nous amène réellement vers le développement. Et merci à Innova Officiel TV de m'associer hein, pour donner mon point de vue. C'est juste le point de vue. Je ne dis pas que tout ce que j'ai dit reste la parole de Dieu. Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous qui nous écoutez en ce moment sur notre chaîne YouTube, Innova Official TV. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien de ce soir. On a été avec le directeur général de cette chaîne YouTube. En tout cas, nous sommes basés à Guémena et la réalisation. Merci à l'équipe de la réalisation. Merci aussi à vous qui nous écoutez en ce moment sur nos ondes partout. Vous êtes des milliers partout dans le monde, devant les caméras, bien sûr. Pour la présentation, c'est Souleymane Benibi. Je vous dis un grand merci. En tout cas, on fixe rendez-vous très prochainement. Merci.